Est-il vrai que tu as inspiré un épisode de la série culte des années 90, X-Files ? Oui, absolument. J'avais fait un album de cha-cha-cha avec un monsieur qui s'appelle Alexandre Desplat. Je m'en souviens. Qui, à l'époque, faisait les musiques des sketchs que je faisais dans Nulle part ailleurs. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, ce mec a des Oscars tous les ans. Ah oui, oui, oui. Des artistes et tout. C'est oui, devenu oui. Un c'est une pointure. C'est voilà. Une pointure, exactement. Donc, en fait, j'avais enregistré cet album. Il se trouve que j'ai fait une émission de promo à Los Angeles à la radio et que Chris Carter, qui a été le producteur et le réalisateur de X-Files, a entendu cette interview et les morceaux. Et ensuite, m'a envoyé un fax avec marqué Century Fox. C'était tellement énorme que j'y ai évidemment pas cru. C'est assez rare que tu reçoives un message de la Century Fox disant « je rachète ton album ». Et en fait, c'était vrai. Il est venu à Paris, nous avons déjeuné et je lui ai bien entendu cédé les droits de cet album.